Regarde, tonton. Oui, je suis pressé. Hein. Je suis dans la voie. Oui, tu vas dans la première voie. Oui, à gauche. Deuxième maison. Ok, ok, ok. La voie à gauche. Deuxième maison. Ok, merci, merci. Je vais déjà. Ok, grand frère. Oui. C'est la télé, ça, non? Oui, c'est la télé. Je regardais la télé tout à l'heure, mais il y a coupure. Quelle malchance. Ou bien je vais attendre un peu. Tu vas attendre un peu? Oui. Il n'y a pas de souci. On va attendre un peu. Oui. Vraiment, SPE. Oui. Non, ça t'a attendu sur le prix. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Grand frère. Oui. Oh. Je vais partir. C'est quoi, tu veux partir? Oui, je vais prendre ça comme ça. Attends un peu, ça va venir maintenant. On vous voit, je n'ai pas trop peur. Je vais prendre ça comme ça seulement. Ah, tu vas prendre ça comme oui, ça? Oui, je vais prendre ça comme ça. Tu n'as rien. Oui. Grand frère, j'ai confiance en vous. On vous voit, je n'ai pas peur avec tout ce que vous avez ici. Même la location, même là. Oui, prends ça. Merci, grand frère. Non. Je vous laisse. Tu ne te comprends pas quoi? Comment tu peux venir? Fais pas celui-là. Courant d'IA. Courant d'IA, comment? Toi, tu ne peux pas attendre vérifier avant de faire tout ça. Tu vas te gifler le. Merci, Tony, viens bien. Regarde-moi ce qu'il raconte. J'ai fait plus de 40. Allons-y, c'est où? Dans la voie là, la maison qui est là. Quelle maison? La maison. Regarde-moi celui-là. À la maison, tu fais le job là. De payer que. De prendre une maison, tu regardes. Viens devant moi, montre-moi la maison. Regarde-moi celui-là. Ça veut dire quoi, c'est des petits bêtises. On te remet de l'argent, tu vas prendre, tu vas prendre un truc gâté. Tu ne peux pas attendre, patienter, vérifier. Si vous regardez même là où il vit, vous allez comprendre qu'il n'est pas faire le faux. Les plus escrocs là, ce n'est pas les plus lucieux. Mais c'est où tu vas? Et c'est là. C'est là où? Je te rends dans tu. Je fais quoi? Tu cries sur moi comme ça. C'est où? C'est ici? Non, c'est le monsieur même. Ah, c'est où? Bonjour, monsieur. Non, non, attends. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est vous qui aviez vendu cette télévision à mon frère? Oui, bien sûr, c'est moi. Ok, il n'y a pas de problème. Il est revenu avec la télé et puis paraît-il que vous avez dit que ça marchait bien. Oui, la télé marchait bien. Mais non, il y a mais, pas de soucis. Ça ne marche pas, on a tout fait. Comment, mais ça marche, tu as fait tomber ça? Non, non, non mais comment? Regardez. Mais ça marchait bien. Oh, monsieur. Ça, c'est pas lui. Oh, il n'y a pas de problème. Comment ça marchait? Ah ben. Est-ce que tu es venu? Ça marchait. Non, 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 non tu m'as dit qu'il n'y a pas le courant. Que d'attendre. Ah non, monsieur, on connaît ça. C'est toi-même que. D'ailleurs, je ne te connais pas. Donc, je n'ai pas affaire avec toi. C'est comme ça, il faut. Ne m'énerve pas, peut-être que tu as fait tomber la télé. Non, comment je vais faire tomber la télé? Je vais te prendre la télé. Est-ce que tu es dommage que tu entends ce que tu dis? Ah, c'est lui, moi je suis normal. Et toi, tu gardes à vous, mais c'est mais c'est quoi le mieux dire? Mon frère, d'ailleurs, policier, nous, mais. Moi, je t'ai vendu tout ça à marcher quand il t'a remis ça, non? Non, non, le courant coupé, vous avez dit qu'il n'y a pas le courant, non? C'est quand il t'a remis ça, non? Hein? Putain, ils attendent. Non, monsieur, mon frère, arrête. Non, ne me parle même pas. Excusez, il n'y a pas de problème. Excusez, pardon. Regarde, j'ai là celui-là. Oui, c'est bon. Non, non. Même mêler d'eau. Après, comment faire? Oh, pardon. Hein? Grand frère, boss. Si il m'a dit de jouer, je vais vous appeler la police. Non, 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 non. Je vais vous appeler la police maintenant. Non, c'est bon. Non, faut laisser. C'est quelle histoire ça là? Voilà, vas-y. Quand vous me télé, allô. Je dis. Mon nœud, l'olé, ouais. Vous prenez une télé à 55 pouces, à 55 000. Vous croyez que ça va marcher? Qui est bête? Oh, mais il y a un genou qui est bleu pour. Oh, boss, on va. Oh là, reste tranquille. Je suis bête. Même si c'est 1 million là. La télé, ça nous va coûter 55 millions. Oui. Même si c'est 1 million, moi je vais te dépenser sur ça. Je te jure. Mais lui, il se croit malin. Non? Il a fait son job là. Reste tranquille. Allons seulement. Mais le sujet, on ira. D'abord,
tu connais le dépanneur oui. qui est à truc là. Mmh. Va le voir, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Okay. Tu as compris? Ok. Vas-y, tout de suite là, tu vas entendre un son. Allons-y. Son. Il est fort, laisse ça. DJ, ouais, là. Non, tu vas voir le film. Voilà. Je vais prendre le petit taxi. Tu as la vidéo. MTN 4000. Donnez-moi le numéro d'abord. 96 46 21 21. 96 46 21 21. C'est pas qu'on fait appel. D'accord. C'est bon. Je vais prendre le taxi. Oui, c'est bon. Donnez-moi la vidéo. Monsieur, c'est quoi ça là? Non, pas la monnaie. Parce que vous êtes un autre, me dit. Je veux prendre la monnaie. Je... Vous êtes sérieux là? Je vous ai remis 5 000. Je vous ai envoyé le crédit. Et je vous ai remis l'argent. Vous voulez jouer avec moi, mais ça ne va pas chez vous. Vous avez un problème, vous me remettez un faux billet. Comment faux billet? Donnez-moi mon argent. Gardez même vos mains, donnez-moi les 4 000. Non, c'est faux billet. Non, mais c'est pas faux billet. Je dis c'est faux billet. Dans quel billet, non? Ah, monsieur, je dis c'est même pour un tâche à maille. Il m'a remis un faux billet. Il a acheté une unité 4 000 chez moi. Non, c'est pas faux billet. Non, faut le laisser. Mon inspecteur, ça vérifie. C'est un faux billet. Comment vous madame, laissez-le. Monsieur, il peut pas. Il peut pas. Monsieur, madame, laissez la ville. Non, mais c'est pas faux billet. Ce n'est pas un faux billet. Mais te souffler. Vous allez parler? Ça reste encore. Ah, monsieur. Non, mais tu vois ça? Ça veut dire quoi? Venez. Hey. Madame. Madame, c'est bien. Non, regarde, tu. Mais 4 000, moi, je vais faire ça avec elle. Mais 4 000, là, je vais pas. Venez au commissariat, madame. Au commissariat, où? Monsieur, allez là-bas. Dites-moi, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vous en prie, mais mes autorités. C'est vous qui m'avez remis faux billets, non? Non, c'est un clan. Autorité. Vous m'avez remis des faux billets. Mais toi, monsieur. Je vous en prie, autorité. Au fait, il a fait une publication, soi-disant qu'il lui a vendu une télévision. Oui, c'est ma télé, non? On était dans le besoin et j'ai remis les soins à mon frère de le rencontrer. Et vous m'avez remis faux billets. C'est une boutique qu'il a? Non, au fait, on a payé la télé chez lui. Vous savez, comme ça se fait. Et bizarrement, la télé avait un petit souci. Mais on a été voir un dépanneur. C'est ça, on regardait comme ça dans la chambre. Ah. La télé est là. C'est ça, on regarde. Donc la télé a finalement marché. Ah, donc ça marche. Ça marche, c'est ça, on regarde. Ah, aidez-moi, je vais occuper ma télé. Je vais occuper ma télé. Mais vous m'avez remis faux billets. Comment il a remis faux billets? Je vous en prie. Je n'ai pas remis de faux billets, on a remis les sous, on a pris notre. On a dit c'est fini. Mais c'était faux billets. Comment faux billets? C'est moi qui l'ai remis les sous, non? Mais l'inspecteur, ce type, c'est un parfelu. Voilà. C'est un faux type. Mais on est. Je vais récupérer ma télé. Quelle télé? Je prends ma télé. Non, tu as pris l'argent, non? Je prends ma télé. Allez, aidez-moi, prends ma télé. Aidez-moi, je vais prendre ma télé. Choto. Mayo. Aidez-moi, je vais prendre ma télé. Non, c'est pas. Allez, dis-moi.
Joseph, ma télé, la télé marche. Vous avez escroqué les pauvres. Non, c'est à eux que j'ai vendu ma télé. Et voilà, maintenant la télé marche. L'argent maintenant c'est parti. Et j'irai encore en prison. Allez, non, chef, aidez-moi à occuper la télé.